Bonjour à tous et merci donc de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo un peu différente, une petite vidéo plaisir. Je vais vous faire écouter et vous faire montrer qu'est-ce que le vélo-rail à Puissière-Galland. Alors, le vélo-rail, se donner des sensations en tant que déficient visuel, c'est ce que j'ai reçu. J'étais donc hier à Puissière-Galland. J'ai fait du vélo-rail, c'est accessible, on peut faire du vélo-rail classique ou avec une assistance électrique. Alors le vélo-rail, c'est comme en fait un petit train posé sur des rails, à part que vous êtes sur une selle de vélo, des pédales de vélo, vous pédalez sur les rails et vous avez toutes les sensations du train sans la carrosserie autour. Alors je peux vous dire que en tant que déficient visuel, j'ai vraiment eu des sensations pas mal. Donc pour un peu changer, je vous ai fait une petite vidéo sur ma visite. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous plaît, n'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Et merci encore de regarder. À bientôt. Une petite promenade en vélo-rail dans le Limousin, Buissière-Galland. Un vélo accessible, vélo classique, vélo électrique. En fait de 12 km, 6 km, allez 6 km autour. Donc comme vous voyez là, je pédale, je vais montrer mes jambes là, on a des poignets. Donc c'est accessible pour nous en tant que déficient visuel, sans problème. On est en fait deux à pédaler et deux derrière. Donc franchement c'est vraiment pas mal. On peut accélérer, vous allez voir. Ça c'est en train d'accélérer comme un dingue. Voilà. Je vous conseille. C'est vraiment génial. On va passer sous la cour là. Ça va un peu, ça va super vite. Je peux montrer les images là, en temps réel. Vous voyez, on est carrément sur un vélo en ferraille avec des roues pour les rails. Ça va ultra vite. Là, vous voyez, là, ça va super vite. Franchement, en plus, quand on n'y voit pas trop, ça fait sacré des sensations. Vous venez? Hein? Ça fait des super sensations quand on y voit super bien et franchement, c'est franchement génial. Vue d'un vélo-rail dans son ensemble, vue des selles, pédalage compris, vue du compteur électrique du vélo-rail, roue du vélo-rail sur les rails. Donc c'est reparti. On va suivre les gens qui sont en train de se cabane. Les gens qui sont en face de nous. Voilà. Ouais, c'est bon. Vous voyez là le retour. 6 km sur le retour. Voilà, donc ah, les gens partent là. Je soupçonne de faire une sieste là. Là, je vous filme les personnes juste qui sont devant nous. Je vais vous faire montrer un peu comment c'est au niveau de l'arrière-train du vélo-train. Et voilà. Là on se régale, on a un peu de sensation là. Dans le déficient visuel là, je me régale.
toujours dans le frein là, j'ai le pied là. Voilà, donc j'ai mon pied, c'est un frein. Il y a des moments là, des petites descentes bien sympas là où ça nous accélère à fond. Passage à niveau. Passage à niveau là, vous voyez. On est sur la route. Eh oui. Voilà donc l'arrivée à la gare du Vélorail. Ici, vous voyez un gros train là. Voilà. On est à l'arrivée. Ici, un vieux train de la gare. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous en aura appris un peu plus sur l'accessibilité du Vélorail. Actuellement, des photos de Vélorail de Buissière-Galant passent sur l'écran. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu et surtout de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut !